pas plaisir ce petit départ arrêté de Jules Cluzel avec sa R6 ? Il y a quelques semaines, j'ai eu la grande chance d'assister aux essais privés du GMT 94 au circuit Carole. Des tests pour préparer le retour du championnat du monde Supersport, mais aussi pour tenter de battre le record du tour sur le tracé francilien. Mais avant de vous emmener, petite story rapide du GMT 94. Tout démarre en 1989 avec un jeune instituteur du Val-de-Marne, 94, un certain Christophe Guyot qui fait ses débuts en compétition moto. Et dès sa première saison en promosport, boum, 2 victoires et 3 podiums, ouais, ça roule fort. En 1991, après avoir quitté l'enseignement pour se consacrer pleinement à sa passion, il décide de créer le Guyot Motorcycle Team 94. L'équipe s'engage en championnat du monde Superbike ainsi qu'en endurance et au fil des saisons, le GMT 94 devient un acteur majeur du sport moto. En 2001, c'est l'exploit, le team privé du 9-4 remporte les mythiques 24 heures du Mans devant les teams officiels. Les performances de la structure indépendante tapent dans l'œil de Yamaha France et en 2003, la firme japonaise décide de s'associer à l'aventure GMT. 31 ans après sa naissance, l'équipe dirigée par Christophe Guyot compte 3 titres de champion du monde d'endurance, 3 victoires aux 24 heures du Mans et 2 au Bol d'Or. Aujourd'hui, le team est engagé en World Supersport avec ses deux pilotes, Jules Cluzel et Corentin Perrolari, et la ferme intention d'aller chercher le titre suprême. En parallèle de la compétition moto, le GMT 94 s'investit en faveur de la jeunesse et de l'action sociale avec l'accueil de stagiaires, mais aussi en proposant des interventions sur la prévention à la sécurité routière dans les collèges et les lycées. Bon, vous êtes chaud pour une journée avec le GMT ? Allez, direction le circuit Carole. Comment ça va Yann ? Ça va et toi ? Bah écoute, nickel. Ouais. Ça va bien. Rémi Guyot, hein. Salut tout le monde, ciao. Rémi, ici The Voice, World is BK. Pas The Voice, là, le Voice, il n'y a pas eu grand chose à commenter en direct depuis un petit moment. On se languit, hein, je peux te dire. Bah, tu vas crier cet été, là, tu vas faire revenir. J'espère, mais là, c'est long quand même, heureusement, ouais. Ce petit record, là. Il faut venir, je vais filmer Rémi où il y a l'interview. Ouais, j'ai quand même plus à quoi te faire ça. 59,99. Pour moi, il fait un peu trop froid. Est-ce que tu veux qu'on fasse le troisième comme ça? Bah ouais, mais pour la limite, t'attends un tout petit peu. Ouais, encore. Bon, chose que ça chauffe un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, pour moi, au freinage, ça glisse un peu plus qu'hier. Ouais. Et c'est à cause de ça, je pense. Par contre, le rythme, putain, c'est bon. Parce que pour 4 ou 5e tour, je les ai pas très faire. Vous voyez l'emplacement des caméras embarquées. Donc j'ai envie de me réincarner en GoPro là, tu vois. En fait, Jules Cluzel, c'est un gros gamer. Regarde, regarde aussi. Le truc, c'est vraiment le freinage, il doit freiner fort. Je suis dans le box du GMT. Bam. Et ici, c'est le bar à pneus. Je prends un cocktail, je vais prendre le tendre, s'il vous plaît. J'enlève le masque quelques secondes, donc là, Jules Cluzel hier a battu le record de la piste hein, en 59,266. Là, il va tenter encore de battre ce record ce matin. J'espère, parce que moi je suis là, je veux voir ça.
monte. Bravo mec. Chapeau putain. Eh, bravo. Bravo Gilles. Alors toi, hein. Alors bon, on recommence. Salut. Je suis trop content de te voir et que tu battes le record. Je suis comme un ouf, on est comme des ouf. Merci. C'était aujourd'hui qu'il fallait que je vienne, tu vois. Ouais, bah, il y avait un peu de pression quand même pour les concours. Elle a raison, non. Demandez de reculer, s'il vous plaît. Merci. Ouais, merci. Allez, les ouais. Yeah. Christophe, il croyait. Et Christophe, il croyait, moi non. Mais hier, j'ai eu un super feeling avec la moto dès le matin. Et quand on a passé les pneus plus soft, j'ai progressé petit à petit. Et j'ai été. Quand je me suis arrêté, que j'ai battu le record, tout le monde était excité, c'était voilà, petite perte de concentration, donc il fallait arrêter, ouais. Mais j'avais la sensation que je pouvais faire mieux. Ouais. Le problème c'est que je l'ai dit, et donc tout le monde était au taquet derrière. Christophe il a dit c'est reparti, demain on essaye de, voilà, de passer sous les 59, et ça m'a mis un petit coup de pression encore une fois, oui, ben, mais bon, sais, mais le travail a été bien fait, l'équipe a super bien bossé. Le plan était bon et je me sens bien, je suis content, je fais 3 jours de moto, un truc qu'on fait rarement. Et même si c'est à Carol, un circuit qui n'est pas un circuit du mondial, j'ai pris un plaisir pied et je fais la moto pour ça. Ah c'est bon ça. C'est bon. Non, bravo, bravo, bravo. Merci, c'est gentil. Toi même te dis bravo. C'est gentil, merci. Après attends, le virage 2, je rentre dedans et ça fait ça. Je freine, je lâche le frein. Et à chaque fois, j'ai l'arrière qui se lève et. Il faudra que c'est la plus fort, je peux pas. Pourquoi ? Je sais pas, on peut te retendre la chaîne. Ok, y'a quelqu'un qui peut venir m'aider ? J'espère que cette immersion avec le GMT 94 vous a plu. Un grand merci à toute l'équipe pour son accueil. Bon, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas le chef mécano de Jules Cluzel. Mais tout de suite, pour vous, en bonus, vous allez pouvoir rencontrer Grégory, son vrai chef mécanicien, qui nous présente la Yamaha R6 version GMT 94. Allez, bisous! Ciao! Nous sommes avec Grégory, le chef mécanicien de Jules Cluzel et aussi le motoriste. C'est toi qui fais les moteurs? C'est ça, exactement. Peux-tu nous expliquer comment on transforme une R6 stock qu'on achète en magasin pour en faire une moto de course du GMT? La partie suspension, donc le kit cartouche Ohlins, monté sur les fourches de l'R6 standard. La petite particularité de nos motos, c'est le traitement sur les tubes de fourche. Un traitement DLC. Pour l'arrière, un TTX GP. La partie châssis ensuite, nous, on utilise des protections de cadre, arrière de cadre adaptable. Tout ce qui est partie repose-pied, TP tuning, les demi-guidons, les leviers. Sur la moto de Jules, on peut le voir, le frein arrière, guidon. Tout ça pour compléter son système de sélection à droite. Hop. Voilà, c'est ça. Juste là. Juste ici. Donc avec un système qu'on a développé à l'atelier, avec un axe qui traverse le broussillon, etc. Des biellettes, des renvois. Ça rigole pas quoi. Il y a eu un petit peu de travail de mise au point. Ensuite, tout ce qui va être la partie carénage. Donc c'est du poli, à part entrée d'air, support de dash, tout ça. Là c'est pareil, c'est du prototypage qu'on a fait avec Spin Filter. Donc en carbone, autoclave, tout ça. Donc okay. Top de ce qu'on peut faire en termes de composition. Ensuite la partie freinage, nous on utilise des disques France équipement. Donc ça c'est des nouveaux disques qu'on a depuis le début de l'année. Pour certains circuits où il fallait beaucoup taper sur les freins, etc. C'est arrivé qu'on ait quelques problèmes. Du coup on a travaillé avec eux, on a développé des nouveaux disques. On vient de les valider sur les 3 jours à Carole. Ça fonctionne, c'est top, on va revalider ça à Barcelone. Les plaquettes, c'est du Brembo, la Z04. On a quelques raccords Stobi aussi pour, disons, la convivialité mécanique, le nettoyage, l'entretien des pièces. Juste ici,
l'amortisseur de direction Toby. Ouais. Donc il est monté exclusivement ici sur la moto de Jules parce que normalement il se monte devant. Ouais. Mais avec le frein arrière au guidon, etc., en termes de place, c'était plus possible. Ok. Ensuite, il nous reste le tableau de bord, deuxième. En termes de matos, de qualité, tout ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc c'est vraiment top. La partie échappement, un Krapovic, ouais, depuis très très longtemps. L'embrayage, on utilise du STM depuis le début de l'année. Pour toute la partie, on va dire, continue pour répondre à l'âge. Et c'est vrai que grâce à ces embrayages-là, on a résolu quand même pas mal de problèmes. On va rentrer sur la partie un petit peu, on va dire, fait maison. Tout ouais. Ce qui va être le chargement de roue avant. Ouais, donc okay. Système de broche avec une bague qui maintient le garde-boue de manière à pouvoir écarter les étriers quand on veut changer. Parce que le règlement l'autorise en super sport. Okay. En cas de flag ou flag, il y a des règles, mais on a le droit de faire quand même des systèmes qu'on dit rapides de changement de roue. D'accord. À l'arrière, c'est pareil, une broche avec des tendeurs type un petit peu endurance. Donc, ça, c'est vraiment plus pour la partie flag to flag, en cas oui. Sur une course. Ce qui avait été le cas en Australie l'an dernier. L'an dernier et cette année aussi encore. Ah oui, c'est vrai, c'est comme, vrai. Ouais, c'est quasiment, vrai. Quasiment tous les ans en Australie. Tout ce qui va être la partie moteur. Gros travail sur le moteur. En plus, on est quasiment à plus de 20 chevaux par rapport à une moto d'origine. Ouais. Donc, beaucoup de travail là-dessus. Ensuite, il y a aussi donc, tout ce qui va être filtre à air. C'est le même partenaire que l'entrée d'air, Spinfilter. Donc ça, c'est pareil, des filtres à air qu'on a testé, qu'on a validé, plusieurs configs au banc qui sont top. Et ensuite, la dernière partie moteur, ça va être les cornets. Mmh. On a fait quand même pas mal de tests avec un partenaire qui nous aide beaucoup, donc Danielson Engineering, où on a la chance d'imprimer en 3D ce qu'on veut. Donc, très souvent, je les appelle et je leur dis, voilà, j'aimerais que tu me fasses des cornets telle longueur. Ouais. Et ils me les dessinent et en 3 jours, normalement, je les reçois imprimés. D'accord. Et, bon. Et le kitchen, pour finir, France Équipement, avec la chaîne RK. Chaîne RK qui vient du Japon avec des rouleaux. Voilà. Des trucs qui vont du bien. Du beau matos. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein. Merci. Ouais, on a été embarqués là. Maintenant, on a plus d'infos. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi.